que nous proposons, nous, c'est que l'on établisse une méthode de travail pour la révision des manuels scolaires, que ce soit les manuels d'éducation islamique, ou de physique, ou de mathématiques, ou de philosophie, ou de littérature. Et nous travaillons pour justement arrêter les règles qui doivent présider à ce travail de réforme et de révision des manuels scolaires. Il y a dans les textes une commission qui, normalement, devrait prendre en charge la révision des manuels scolaires. C'est une commission qui a une composition tout à fait convenable et qui a, disons, une certaine autonomie et qui peut faire ce travail de manière convenable. Malheureusement, elle n'a jamais été rendue effective, cette commission. Parmi les choses que nous aurons à demander, c'est que l'on rende effective cette commission et que cette commission puisse travailler dans la sérénité, qu'elle puisse travailler de manière scientifique et objective et qu'elle puisse travailler en faisant prévaloir toujours les critères pédagogiques sur toute autre considération, que cette commission fasse son travail. Parce que la question de la révision des manuels scolaires, elle est au centre de la réforme du système éducatif. C'est un moment qui va être décisif et c'est un moment sur lequel nous misons énormément.